Bonjour chers amis membres de Post Europe et merci à toi cher ami Botton pour l'invitation à cette assemblée plénière de 2020, même si elle se passe à distance. C'est toujours un plaisir de vous parler à Post Europe. Donc je sais qu'elle est la plus grande union restreinte des opérateurs postaux. Et moi qui suis dirigeant d'une institution de la plus grande union restreinte intergouvernementale, je suis toujours content d'être avec vous, sachant que l'Europe et l'Afrique ont des relations séculaires. Et pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire ma candidature au poste de vice-directeur général, je ne viens pas les mains vides. Comme je l'ai dit tantôt, je suis quelqu'un qui dirige déjà une institution intergouvernementale et elle regroupe pratiquement tous les pays africains. Et là-dedans, ça fait 8 ans que j'y suis. J'ai traversé des périodes difficiles comme celles qu'on traverse actuellement dues au Covid qui nous a contraints nous aussi à reporter sine die notre conférence de plénipotentiaire. Mais avec mon expérience, ça s'est passé sans heurts, en toute sérénité. Nous sommes actuellement déjà dans une transition en attendant des jours meilleurs en fonction de l'évolution de la pandémie. Et en plus de cela, ma longue expérience me permet de connaître également l'ensemble de l'attente de tous les acteurs principaux du secteur postal, aussi bien les gouvernements, les régulateurs que les opérateurs que vous êtes, pour avoir appartenu à tous ces ensembles. Je connais également les attentes de la clientèle, parce que je suis originaire d'une région parmi les plus défavorisés, donc je fais partie du maillon le plus faible du réseau postal mondial. Donc quand on connaît les faiblesses du réseau, on connaît l'ensemble des attentes des uns et des autres. Je connais également physiquement l'ensemble des régions du monde pour les avoir parcourues, et ça m'amène à connaître les similitudes mais aussi les différences des réalités des uns et des autres. Et tout cela fait de moi le candidat qui humblement pourrait aider dans cette situation difficile à mesurer l'impact de ce que nous venons de traverser, qui n'est même pas encore traversé, en fait nous y sommes encore, mais en plus de vous rassurer en tant que copilote, de poser l'avion là où il doit se poser, en toute confiance, malgré les turbulences. C'est ce que j'ai fait à l'UPAP. Je voudrais partager ça également avec vous. Quant à mon background, d'où je viens, mes qualifications professionnelles, mon expérience, mes atouts, ma vision, mes engagements, vous les trouverez dans la plaquette que vous verrez en contrebas, et donc une version numérique est mise à votre disposition pour plus de détails. Et c'est pour cela que je souhaiterais que le moment venu, pour l'intérêt supérieur de l'Union et de ses membres et de sa clientèle pour laquelle nous travaillons tous, il faudrait faire le bon choix. Il y a certes d'autres considérations, certes pertinentes, mais le plus important, c'est l'intérêt de l'Union et de ses membres pour ses obligations universelles, pour son statut d'institution, de cadre multilatéral où chacun a sa place. Il faudrait faire le bon choix en votant pour moi. Et en cela, je compte sur vous. Vous pouvez déjà compter sur moi parce que tous ensemble accomplissons mieux. Ça, c'est la team approche. Je vous remercie de votre aimable attention et prenez soin de vous.